Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, juste pour vous faire partager un bon plan. Puisque pour ceux qui suivent la chaîne, je suis parti à New York là au mois de juin. Et donc du coup, j'ai utilisé une carte SIM spéciale pour pouvoir en fait utiliser mon téléphone comme je l'utilise ici en France. Et donc franchement, ça m'a changé la vie. Donc du coup, quel est le principe? C'est très simple, il vous faut un téléphone compatible 4G, qui soit débloqué, bien entendu. Et ensuite, il faut vous rendre donc sur le site qui s'appelle simusa.mobi. Bien entendu, je vous mets les informations dans la barre de description. Comme ça, il n'y a plus qu'à cliquer et c'est bon. Donc, en fait, ce site vous propose d'avoir donc une carte SIM que vous allez insérer dans votre téléphone. Donc, il y a plusieurs tailles en fonction du téléphone. Parce qu'il y a les nano SIM, micro SIM, etc. Enfin, voilà. Alors, pour la recevoir, ça met à peu près 3-4 jours. Voilà. Donc vous la recevez, même format que nos cartes SIM ici en France, voilà tout simplement. Vous l'adaptez en fonction de votre téléphone et puis ensuite, quelques jours avant le départ, il suffit de l'activer directement donc sur le site. Une fois que vous l'activez, vous avez donc un numéro américain, puisque je ne l'ai peut-être pas précisé, mais donc c'est quelque chose qui fonctionne uniquement donc pour les États-Unis. Et vous avez également le roaming qui vous suit au Canada et au Mexique. Bon à savoir. Donc du coup, vous activez, vous avez le numéro américain. Et de là, vous pouvez utiliser, dès que vous serez sur le territoire américain, votre téléphone, comme vous le faites ici en France. Donc pour utiliser Snapchat, Instagram, Waze, Google Maps, enfin voilà, toutes les applications dont vous avez envie d'utiliser ou quoi vous le faites ici, vous pouvez le faire tranquillement. Du coup, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte le fait que on n'a pas de stress en se disant je vais faire un dépassement, je vais payer cher, etc. Et puis après, ça fait gagner du temps parce que niveau organisation, quand vous n'avez pas besoin de faire tout votre plan avant de partir pour être sûr de ne pas vous tromper sur le chemin, c'est franchement un sacré confort. Là, vous sortez votre téléphone. Hop, je veux aller à tel restaurant. Et du coup, hop, le téléphone, ou en tout cas l'application qui est dans le téléphone vous y emmène. Et puis voilà, vous y êtes tranquille, vous n'avez pas perdu de temps, vous vous êtes pas levé une demi-heure, une heure plus tôt pour préparer le planning de la journée, donc c'est juste top. Alors que propose donc SimUSA? Il vous propose donc trois formules. Moi personnellement, celle que je vous conseille, donc c'est la dernière et la plus onéreuse, mais aussi la plus intéressante. Donc pour vous faire un tour rapide des formules qui existent, donc la première, je regarde mes notes parce que je ne les connais pas celle-ci. La première, donc l'ICA mobile, elle est à 29€. Donc vous avez 1 giga d'internet. Ça fait un peu light quand on va à l'étranger. Appel et SMS illimité et donc elle est valable pendant 30 jours. La deuxième, elle est à 45€, vous avez 3 gigas d'internet, vous pouvez rajouter, je crois pour une vingtaine de dollars, passer de 3 à 6 gigas, et valable 30 jours également, et appel et SMS illimité, toujours inclus. Et donc, la formule que moi j'ai pris quand je suis parti donc à New York, c'est donc, elle est à 79€, vous avez appel SMS illimité, la 4G donc en illimité, c'est-à-dire que internet, il n'y a pas de limitation, donc c'est un peu comme le forfait que moi j'ai là par exemple aujourd'hui en France. Le partage de connexion, ça c'est magnifique, valable 30 jours et vous avez le roaming exactement si exactement. Vous avez le roaming si par exemple vous partez donc faire un petit tour au Canada qui n'est pas loin ou si vous descendez au Mexique. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Alors pourquoi j'ai insisté sur le partage de connexion? Parce que du coup 79€, c'est clair que si on part seul, c'est cher. Maintenant, quand on part en voyage, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'aime bien quand même être accompagné de mes amis. Et donc 79€, si on part à plusieurs, ça devient quand même assez intéressant. Surtout si derrière, on peut partager la connexion. Donc on se retrouve pas dans la situation où il y a un téléphone et tout le monde se bat. Laisse-moi connecter mon Instagram. Moi aussi, je vais envoyer un message à ma mère. Moi si, moi ça. Voilà. Là, on fait le partage de connexion et donc tout le monde peut en profiter. C'est juste top. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis disponible dans les commentaires ou sur Instagram, Facebook ou Twitter d'ailleurs. En tout cas, moi, je sais que personnellement, ça m'a changé la vie parce que toutes les fois où je suis parti à New York auparavant, c'était la galère, franchement, pour s'organiser et se déplacer dans un pays qu'on ne connaît pas comme sa poche, c'est un peu compliqué. Donc là, vraiment, vous avez le top, vous avez clé en main, la carte SIM qui fonctionne comme en France, vous vous déplacez où vous voulez, l'internet est illimité. Je le répète encore une fois pour 79€. Et puis après, vous rentrez chez vous, hop, vous la balancez et puis c'est tout, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez déjà le système et si vous allez l'utiliser. Et puis on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Bon plan, portez-vous bien d'ici là. Tchuss.